Non, concernant la place de favorite, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit en conférence de presse de l'Afrique du Sud, et Diadi en a parlé. Il y a une ligne de départ, c'est une course de fond. Au départ, on est tous sur la même ligne. Voilà, il y en a qui, quand la course commence, il y en a qui ont la chance de faire un bon départ et qui à la fin, ils ne sont pas devant. Et puis il y en a qui n'ont pas la chance de faire un bon départ et puis à la fin ils sont devant. Donc ce qui est important encore une fois, c'est de jouer les matchs les uns après les autres, bien les préparer, encore une fois dans le processus, bien réfléchir à un plan de jeu. Aujourd'hui c'est ce qui m'importe. Concernant Hamdi, Issam et Alédine aussi, donc ben, c'est vrai que c'était des coéquipiers à Lens. Donc j'ai de très très bons souvenirs. Bon, je vais pas tout raconter ici parce qu'il y a prescription. Non, j'étais très très proche de ces trois joueurs-là. Hamdi parce qu'il était de gardien but et moi j'étais défenseur central, donc on était assez proches. Alédine, c'était mon coéquipier en défense centrale. Et Issam, c'était notre petit frère, avec tout ce qu'il a fait. J'ai une anecdote quand même. Il y avait le gardien de but, c'était Vedran Rougneux, titulaire. Et Issam, j'ai un spécifique. Donc Issam, premier ballon, Vedran sort, il lui fait un piqué. Donc Vedran lui dit, fais attention, si tu recommences, tu vas avoir des problèmes. Deuxième ballon, qu'est-ce qu'il fait Issam? Il lui refait un petit piqué. Je me souviens qu'il a couru autour du terrain. Après Issam, il voulait le frapper. Donc on est un petit peu défendu. C'est pour faire jouer un C'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs qui travaillent, qui passent par des moments difficiles, qui passent par des temps forts aussi. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils réagissent toujours en groupe. Voilà, sur ce match-là, ils ont eu une première mi-temps difficile où ils ont souffert, ils ont fait le dos rond ensemble. Puis après, en deuxième mi-temps, ils ont été bien meilleurs. Moi, je suis là juste pour les accompagner. Et comme je leur ai dit, moi, j'avais un regret, c'est un gros regret, c'est de ne pas être avec eux sur le terrain. Parce qu'une CAN, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et encore une fois, je répète, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas de se focaliser sur le résultat, c'est de se focaliser sur le processus d'abord. Comment on fait pour arriver à... Voilà, donc moi aujourd'hui, j'axe mon discours sur ça. Sur chaque entraînement, sur chaque phase de jeu, sur chaque règle de vie. Et puis après, derrière, moi j'ai la chance d'être sur le terrain à une position bon, que j'aime pas trop, il faudrait que je sois un petit peu plus en hauteur pour bien analyser les choses. Moi après, mon travail, c'est de tout simplement leur dire ce que j'analyse. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un groupe qui est à l'écoute, qui a envie. Qui a envie de beaucoup de choses, donc moi après c'est juste de les accompagner et de les pousser. Donc non, non, j'ai seulement dit qu'on avait une première mi-temps difficile. Voilà, j'ai pointé aucun nom, hein. Donc on a eu une première mi-temps difficile et puis en deuxième mi-temps on a été au-dessus du lot, c'est ce que j'ai dit, et qu'on méritait cette victoire. J'ai parlé d'aucun joueur en particulier. Évolué dans plusieurs systèmes de jeu. Ils ont des joueurs très intéressants à chaque poste. Voilà, ils ont des grosses qualités, mais ils ont des défauts comme nous. Donc, mais encore une fois, ce sera un match où tout le monde va jouer sa chance. Et on fera, comme l'a dit mon joueur ici présent, on fera les comptes à la fin du match. Mais avant de parler de résultats, il faut parler de processus et de plan de jeu. Donc on verra comment va se dérouler le match. L'absence de Casri, c'est un grand joueur, hein. C'est un grand joueur, mais celui qui va le remplacer va être un grand joueur aussi. Donc Casri, pas Casri, on sait que ça va être difficile et on se prépare tout doucement pour entrer dans ce match demain. On travaille et on travaille. On a analysé notre match, comme je l'avais dit en conférence de presse à la fin du match. Il y a eu des bonnes choses et il y en a eu des moins bonnes. Donc nous, le but du jeu, ben, on a travaillé pour essayer de gommer
les mauvaises choses. Et puis surtout, comme je l'avais dit aussi, le but du jeu dans une compétition, c'est de progresser à chaque match. Donc j'attends de mes joueurs et de mon équipe qu'il y ait une progression par rapport au dernier match. Moi, je trouve que c'est une belle équipe. Une belle équipe avec certains joueurs qui sont expérimentés, avec un staff technique qui est de qualité. J'ai évolué avec l'entraîneur adjoint Céline Benachour pendant X années. Donc je connais la qualité, entre guillemets, de ce staff, qui est un staff travailleur, qui analyse beaucoup. D'ailleurs, on a été témoin de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on s'attend à un adversaire qui est de très grande qualité. Et avec l'histoire qu'ils ont au niveau de leur palmarès et au niveau de leur football, ils sont jamais autant dangereux quand ils sont, entre guillemets, dos au mur. Donc on s'attend à un match très disputé, avec quand même, comme je le répète encore, avec une très belle équipe en face. Bah écoutez, non, hein, j'ai pas eu le palu. Voilà. Yves et Moussa. Micro, s'il vous plaît. Il faut que je parle plus fort, c'est ça? Oui, ça va. Ok. Donc Yves. Donc Yves était sous palu. Au niveau de la prise de sang, c'était pas si grave que ça, parce que Yves est une personne qui est née en Afrique et est habituée à de temps en temps avoir le palu. Donc il était apte à jouer, en accord avec le joueur. Par contre, pour Moussa, c'était un petit peu plus compliqué, parce que quand vous venez d'Europe et que vous attrapez le palu pour la première fois, c'est un peu plus compliqué. Donc Moussa a repris l'entraînement par une course très légère hier, et ça va être compliqué pour qu'il soit d'attaque pour le match contre la Tunisie. Concernant le coach, non, il, à ma connaissance, il n'a pas eu le palu. Les autres joueurs. Non, après, à part les autres joueurs, on est tous d'attaque. Il y a un match demain qui se prépare. Voilà, on s'est bien entraîné hier. Et aujourd'hui, on sera dans un entraînement, encore une fois, pour bien préparer ce match qui arrive demain. Enfin, c'est une très très belle équipe.